générique. Donc, je m'appelle Georges Luneau, je suis réalisateur de films, essentiellement de films documentaires, même si j'ai fait un film de fiction et même deux films de fiction. Et j'ai fait un film donc, aussi au Bengale, qui est un film qui s'appelle Le Chant des Fous, qui est un film sur les Baols du Bengale. Alors les Baols, c'est très particulier, ce sont des troubadours en fait, on pourrait comparer ça aux troubadours, qui se promènent de village en village, qui sont un peu des gens errants comme ça, et qui chantent des chansons mystiques, même plus en rapport avec la société quelquefois, et qui interpellent un peu les gens. Et en fait, ce que je trouve intéressant dans les Baols, c'est que leur interpellation est vraiment universelle. Baol, ça veut dire fou. Ça veut dire dérangé d'esprit plutôt que fou, quoi. Donc, et c'est effectivement avec un comportement un peu, quelquefois un peu frénétique, quoi, même. Mais en fait, n'est pas fou qui veut, si je puis dire. En fait, ils ont un terme pour désigner ça, ça s'appelle oulta, c'est-à-dire à l'envers. C'est-à-dire à l'envers des choses établies. J'ai l'impression que c'est un peu comme l'univers arthodien, c'est-à-dire qu'un univers d'extrême sensibilité aux choses, et en même temps une forme de contestation des lieux communs, des choses comme ça. Ils sont vraiment très, très, très aimés par la population, quoi. Sai janina dite satan ekon nei je goti ei abhagar nei je goti ei abhagar tumari tori bo doyal tumi kada doyal guru kamone parbo. Je vais retrouver ce truc qui est assez intéressant. Ah, c'est un tout petit peu plus loin. Moi, ça me, à chaque fois, ça me sidère. Quoi. Il est... Au fou. Ne comprends-tu pas cela? Alors, avec des yeux, tu es aveugle. Avec un cerveau, tu es stupide. Tu cours après des pots de banane. Enfin, vous voyez, il y a vraiment un humour et un... En même temps, tout le monde comprend, quoi. Je pense que ça interpelle tout le monde, quoi. Ça part de l'interrogation personnelle de l'homme par rapport à sa position sur la Terre, d'une certaine façon, et même à la transcendance de l'homme, d'une certaine façon, mais pas forcément à travers les religions établies, quoi. L'individu, c'est sa recherche personnelle qui va l'épanouir, sa recherche intime, etc. Donc c'est à lui de trouver à l'intérieur de lui-même, comment dire, ses propres réponses, quoi, en se connaissant lui-même profondément. Alors là, c'est assez drôle, ça aussi, un truc, parce que ça montre... Voilà, là, c'est assez drôle. Il dit, regarde, je suis venu en voiture. Et de son sac, il sort un jouet. Et alors, c'est purement simple comme ça, hein, ça paraît. Bon, il déconne un petit peu. Mais, à un moment... Un tout petit peu plus loin, il pose une photo, une représentation d'un maître spirituel, et il dit, sans le chauffeur, le corps n'est qu'une carcasse vide. C'est-à-dire que, voilà, c'est ça, quoi. Donc en fait, à travers un truc comme ça, purement ludique, ils vont donner un sens, quoi, aux choses. Ils vont faire une réflexion qui prend un sens...
profond, quoi, d'une certaine façon. Si on s'intéresse aux différentes cultures, probablement que la musique est le champ privilégié qui donne du sens à cette culture, quoi, parce qu'elle exprime immédiatement, hein, et émotionnellement, cette culture, d'une certaine façon. J'espère, hein, que ça peut apporter quelque chose à quelqu'un, quoi, je veux dire, c'est aussi... moi, je pense que le réalisateur, il est... en particulier le réalisateur documentaire, il est là pour rendre compte un peu de son... de ce qu'il a reçu. En fait, il est un récepteur-émetteur, le réalisateur. Il reçoit des choses de d'autres gens, hein, en particulier d'autres cultures, en l'occurrence. Et il essaie d'être le plus sincère possible par rapport à ce qu'il reçoit. Moi, quand j'ai tourné le film, j'ai reconstitué, entre guillemets, des choses que j'avais vues. Je disais, ben voilà, tiens, on va tourner ici, par exemple. Hein, c'était plutôt un emplacement. Puis je me disais, je vais installer un travelling, etc. Comme il va être là, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais je veux dire que ce qu'il faisait, c'était ce qu'il faisait normalement. C'est d'ailleurs l'esprit même du documentaire, quoi. Pour moi, la caméra fait partie du truc, et à partir du moment où elle a accepté que les gens ont compris ce qu'on voulait faire, ben, elle enregistre, elle témoigne des choses, mais c'est quand même à travers une mise en scène, quoi, que ça se fait. Et ça, c'est forcément, le film, c'est forcément de la mise en scène. J'avais rencontré, quand j'avais fait les repérages, un gamin qui tournait autour des baoles comme ça, qui avait 7-8 ans, comme ça. Et il disait qu'il était orphelin et tout. Bon. Et puis l'année d'après, j'ai essayé de le retrouver, quoi, parce que je me suis dit que ça va peut-être me servir de fil conducteur. Parce que le film est construit sur deux principes, c'est le jeu à travers cet enfant qu'on retrouve épisodiquement. Et l'errance, la trajectoire, le voyage des baoules. Et en fait, j'ai retrouvé cet enfant. Donc en fait, il s'est avéré qu'il n'était pas du tout orphelin, mais qu'il se sauvait tout le temps de chez lui pour fréquenter les baoules, quoi. Et depuis, il est devenu un baoule très réputé, hein. Il fait un tabac, comme on dit, maintenant, quoi. Il avait 9 ans, il doit avoir pas loin de 40 ans. Finalement, le film, c'est la relation, c'est au sens narratif, mais au sens aussi, contact. Je veux dire, c'est le double sens de la relation, quoi. Je veux dire, on relate, mais aussi on est en contact avec les gens. Le film est quand même passé dans pas mal de festivals. France, à l'étranger, il va à Toulouse tous les ans, donc c'est un plaisir. Si ça apporte quelque chose à une personne, c'est déjà bien, quoi. Je veux dire, on peut dire ça comme ça. Si ça apporte à plus de gens, tant mieux. Je veux dire, si ça fait réfléchir quelques personnes, si ça peut dire tiens, ça, peut-être qu'il y a d'autres façons de penser, enfin voilà, quoi. Mais c'était un des meilleurs souvenirs de ma vie, quoi, je veux dire, parce que ça a été très, très riche en échanges. Un rapport avec les gens dans leur quotidienneté, dans leur univers, qui était extraordinaire, quoi. Oh, no.